Hi, everyone. So I thought I would address a more serious subject this week. I've worked on sets for quite some time now. First as a PA, and I've climbed up the ladder to become a producer and a director. And for the past 20 years, you wouldn't believe how many times I've heard this sentence. This is a man's job. This is a man's job. This is a man's job. Why? Because heavy things need to be lifted, the hours are too long, there's too much pressure, whatever. And I sometimes still hear it from 60-year-old boomers, men and women, by the way. For the past 4 years, I've had more women than men on set, almost 70%. And my last 3 shoots have had more than 50% women as head of departments or in key positions. And does it change anything? No. The workload is the same and the efficiency is exactly the same. But you know what? A 40-year-old white male like me shouldn't be talking about it. The women on set should. So here it is. Let me introduce you to Marie, Eleonore, Pauline, and Marjorie. Girls, thank you for your work, for who you are, and the fights you have chosen. Je suis Eleonore et je suis assistante son. Alors, je m'appelle Pauline Courquin et je suis machiniste. Enfin, je m'appelle Marie et je suis chef électricienne sur la série. Alors, je suis Marjorie Rouvidan et je suis script. J'ai fait une école de cinéma, je me suis spécialisée en son et après j'ai fait des stages. Et après les stages, je suis passée seconde. J'ai commencé en tant que régisseuse et après sur les tournages, en fait, j'ai découvert plein d'autres postes, notamment la machinerie, et j'ai bien aimé. Et après, j'ai réussi à transitionner vers la machinerie de la régie en ayant fait de la régie pendant 4 ans. Et après, sur 2 ans, j'ai eu 2 ans de transition où j'ai fait régie-machinerie et après, je passais en machinerie complètement. J'ai fait une école de cinéma, 1 an et demi de court-métrage. J'ai une amie qui m'a proposé le poste d'assistante script sur une série qui s'appelait Blechy. Et 1 an et demi après, elle a commencé à me passer en tant que chef. Ah ouais, t'es monté vite. Oh, 3 ans après quand même. J'ai fait, on va dire, 3 ans de formation. J'ai fait d'abord une école de cinéma qui s'appelle l'ESEC à Paris. Et à la fin de mon école, j'ai fait un stage en déco parce que je voulais pas me donner stage d'électricité dans mon école parce que c'était un métier de mec. Et j'ai fini par faire pas mal de projets bénévoles que je trouvais sur des petites annonces sur cinéaste.org. Enfin, j'ai un peu galéré. Et puis finalement, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait bosser. Et voilà. 20 ans. Moi, ça va faire 1 an et demi. Toute jeune. Ça fait 4 ans que je fais de la machinerie. Ça va bientôt faire 10 ans que je suis sortie de l'école. Mais t'as quel âge ? Je vais avoir 30 ans. J'aime beaucoup l'esprit d'équipe, j'aime travailler avec des gens. J'aime le fait aussi qu'on puisse changer de décor et de lieu de travail tout le temps et que ça change chaque jour, qu'on fait des choses différentes tous les jours. J'aime bien participer à la création de l'image et tous les mouvements de caméra. Et après, j'aime bien aussi tout ce qui est concret, des accroches et de la sécurité du plateau. On aide beaucoup de corps de métier sur le plateau et du coup, j'aime bien aussi pouvoir avoir ce contact un petit peu avec tout le monde par la machinerie. Ça consiste en quoi, un peu plus précisément, la machinerie ? La machinerie, c'est respecter la sécurité du plateau, donc être sûr que tout ce qui est mis en place est sécurisé. Sécuriser toutes les accroches de lumière et également toutes les accroches de caméra et aussi être responsable de certains mouvements de caméra, notamment les travelling. C'est le rapport avec à la mise en scène, avec le réalisateur, avec toute l'équipe d'ailleurs. On collabore avec tout le monde, avec tous les postes. Tous les postes viennent nous voir pour des questions, soit de continuité, soit de mise en scène, de psychologie pour les comédiens, savoir où est-ce qu'ils en sont dans le scénario, l'évolution de leur personnage. Et surtout, en tout cas, ce qui nous plaît avant tout, c'est la collaboration avec le metteur en scène sur la construction du film, que ce soit au niveau des intentions de jeu et du découpage, de ce qu'on raconte. Le travail de la lumière, c'est assez proche. Enfin, quand on est chef électricien, c'est assez proche de la face et en même temps, c'est quand même assez technique. Il y a un côté artistique et en même temps, faire des choses avec mes mains, c'est quelque chose de très important pour moi. La lumière de cinéma, ça se fabrique vraiment de manière très concrète. C'est assez enrichissant d'apprendre au fur et à mesure. Enfin, je pense qu'il y a vraiment qu'en faisant techniquement de la lumière qu'on peut apprendre à la composer et c'est ça qui me plaît. Je pense qu'il y a une belle évolution, on le voit sur ce tournage sur lequel il y a 60 à 70% de femmes, surtout à des postes qui étaient à prédominance masculine, en tout cas historiquement masculin. Nous avons quand même 3 électriciennes, dont la chef, et une machiniste, voilà, une femme à la machinerie. Je trouve que les mentalités ont changé. Je pense qu'elle est en changement.
Je pense qu'il y a 20 ans, ça n'avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui et que dans 20 ans, ce sera encore différent. Il y a encore du chemin à faire, quoi, mais ça... Il y a encore du chemin à faire, mais c'est du chemin plutôt dans les salaires, en fait. Dans la place de la femme, je pense que la femme, si elle n'a pas une considération salariale telle que peuvent l'avoir les hommes, nous ne serons pas encore en égalité. Il y a toujours beaucoup de discussions, plus quand on est femme, sur des préparations à payer, des finitions le soir. Pour les femmes, c'est encore un peu dur. Tout est négociation. Les hommes, il y a de la négociation, mais on sent qu'ils ont moins à batailler là-dessus. Je pense que ça dépend beaucoup des gens sur qui on tombe. Enfin, après, c'est sûr, il y a un truc systémique, mais il y a aussi des individualités. Et je pense qu'il y a des gens qui rencontrent pas du tout d'obstacles et d'autres beaucoup plus. Après, j'ai l'impression qu'on doit plus faire preuve de notre légitimité et de notre compétence et que pour une petite boulette que ferait un mec et qu'on aurait oublié en deux jours, moi, je l'ai vu quand je commençais. Si tu fais une petite boulette et que t'es une meuf électro, on t'en parle pendant deux mois. Alors, l'escrime, c'est un peu différent parce que nous sommes un métier historiquement féminin et à prédominance encore en France, féminin. Il y a très peu d'hommes. En tout cas, j'en connais pas beaucoup. J'ai un ami qui est script homme et qui travaille beaucoup. Chez nous, on va dire que je pense pas qu'il soit plus payé que nous. Peut-être que sa négociation est plus facile, je ne le sais pas. Mais au niveau du salaire de base est le même, qu'il soit homme ou femme. Mais comme nous sommes un métier à prédominance féminine et hystériquement féminin, nos salaires n'ont pas été surévalués. D'ailleurs, c'est une bataille que mènent les scripts, et notamment l'association des scripts LSA. Ce combat, qui est pour nous les scripts, mais qui est pour un peu toutes les femmes, c'est la revalorisation de nos salaires pour être reconnus à notre juste valeur. On reste sur un salaire qui était à l'époque des secrétaires de plateau, les scripts, et au fur et à mesure, on leur a donné des choses supplémentaires. Mais on n'a pas augmenté le salaire parce qu'on était des femmes. C'est vrai que c'est encore dur. Nous n'avons pas réussi. Et sur les autres métiers où il y a beaucoup de femmes maintenant, il y a quand même ce côté, dans les négociations, ça reste plus compliqué, je trouve. Mais en tout cas, la place est donnée aux femmes dans des postes importants, ce n'était pas le cas avant. Et ça, c'est une belle évolution de société. Il faut juste que maintenant, les salaires suivent, ou en tout cas, les salaires ne baissent pas parce qu'on est des femmes. Et là, en plus, tu diriges une équipe. Ouais, une équipe de meufs. Je pense que c'est important. Parce que c'est un métier qui s'ouvre vachement ces dernières années, mais moi quand j'ai commencé, j'ai entendu des « je prends pas de meuf dans mon équipe » et c'est quand même de moins en moins courant, mais c'était assez courant au début qu'on me dise « ah c'est la première fois que je vois une meuf électro, ah c'est la première fois que je vois une meuf chasse électro ». C'est important de faire travailler des meufs hyper compétentes dans ce métier de mec. Donc là, c'est pas la première fois que t'es chef électro et que tu diriges une team. Eh ben non, parce que Calypso et Camille ont fait avec moi déjà la saison 2 de la série HP qu'on a tournée l'année dernière. Si aussi je travaille avec des filles, c'est pas juste parce que j'ai envie de travailler avec des filles, c'est parce que pour l'instant, j'ai déjà travaillé plein de fois avec des garçons et pour l'instant, les personnes les plus compétentes que j'ai rencontrées s'avèrent être Calypso et Camille. Mais je pense que c'est plus parce qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur que parce que les meufs sont plus compétentes que les mecs. Le tri se fait de manière beaucoup plus sélective quand t'es une femme. Moi, personnellement, non, si ce n'est financier. Encore une fois, les négociations qui sont dures, les mentalités ont changé quand même. Il y a encore ça, notamment pour les jeunes stagiaires, mais je trouve que ça a quand même évolué. On reste quand même dans des mots qui sont déplacés, ça existe toujours, mais c'est plus encore l'ancienne génération qui continue à la pratique et qui ne savent pas quand s'arrêter ou ce qui est déplacé en fait. Mais moi personnellement, je ne les ai pas vécues. Mais effectivement, j'ai des amis ou les comédiennes et surtout les jeunes en fait qui ne savent pas comment répondre à ça. Du coup, ne vont pas répondre et pourtant, ça reste sexiste quand même. Oui, bien sûr. Ouais. Je pense que même en un an et demi de carrière, on en rencontre et j'en rencontrerai encore. Il faut s'armer et se préparer à se dire qu'il y en aura toujours. Faut savoir répondre et pas se laisser faire. Je pense que les femmes à n'importe quel poste dans notre société, et c'est pas que dans le cinéma et c'est pas que dans mon métier, sont très souvent sujettes à des réflexions sexistes et sexuelles très désagréables. Évidemment, je ne fais pas exception. La légitimité, elle est aussi due à mon âge, je pense, parce que je suis jeune et que je pense que c'est un double tard. Je suis jeune et je suis une femme, donc il faut que je prouve trois fois plus. Pour l'instant, les choses se passent bien. Est-ce que tu peux me donner un exemple de situation Ça va être des réflexions, ça va être des blagues, ça va être des phrases un peu déplacées ou des commentaires. Et parfois, ça peut aller jusqu'à des gestes. La personne ne se rend pas forcément compte que le geste est déplacé, le fait, et on se retrouve dans une situation gênante ou mal à l'aise. On sent quand même que les hommes ont un petit peu plus peur. Il y en a qu'il ne faut pas qu'ils aient peur non plus d'exister. Ils font attention. La jeune génération. J'ai de la chance de pas travailler avec des gens comme ça, donc je peux pas trop dire, mais je sais qu'il y a en fait.
Puis en général, quand quelque chose est dit comme ça, un petit peu sexiste, j'interviens. Mais parce que j'ai l'âge que j'ai et je peux me permettre. C'est ça qu'on doit transmettre aux jeunes générations, en fait, surtout à ne pas se laisser faire et à en venir en parler aux autres, en fait. Parce que tout seul, c'est dur de mener un combat. Et après, il y a l'harcèlement, et l'harcèlement autre qui est beaucoup plus dur, qui celui-là existe, je pense, notamment sur les comédiennes. Et ça, c'est pareil, c'est un travail que tout le monde est en train de faire, même le CNC, avec les associations, les techniciens. Maintenant, le fait qu'il y ait des référents harcèlement vient de tout ça, de cette envie de dire stop. Mais c'est pas le seul milieu, dans d'autres milieux, ça existe. Et je crois que maintenant, il y a une parole qui est donnée, et c'est important. Puis surtout, il faut écouter les autres, en fait, et regarder ce qui se passe autour de soi. In the end, I think it is important that us men don't feel threatened by equality of film, on set as much as in the stories we tell. Tarantino has written some of the best female characters ever, as Catherine Bigelow has directed some of the best action movies ever. Gender shouldn't be an issue. You should be able to tell the stories you want to tell. And I realize the fight is not over. We haven't reached a real 50-50 gender representation in the industry. So boys and girls, keep fighting. I can assure you, it's a win-win for everyone. I just think that a set should reflect the world as it is. There are 52% women on this planet, so a movie set shouldn't be any different. That's it for today, y'all. Hope you liked it. Don't forget to send a little algorithmic love by liking, subscribing, hitting the bell, etc. And I will see you in the next one. Oh, keep fighting.